Il est là le second numéro de Cyberforce en version française. Vous le savez, les éditions Réflexion ont entrepris de rééditer des grands classiques comme notamment The Max de Sam Keith ou encore bien entendu Aphrodite 9 de David Finch et Stéphane Segy. Eh bien, Cyberforce est également réédité. Nous avons eu la chance de faire une couverture collector exclusive et limitée à 150 exemplaires pour le tome 1. Et voici voici venu le tome 2, le tome 2 de Cyberforce. Alors, vous connaissez Cyberforce, c'est la série culte de Mark Silvestri, le papa de Darkness et Witchblade, le dessinateur des X-Men et Wolverine, et le futur dessinateur du très attendu Batman et Joker Deadly Duo, sublimissime opus en 7 numéros, qui fera un bel album en version française. Ça sort en novembre, si je ne me trompe pas. Magnifique ouvrage, avec le grand retour de Mark Silvestri, hein, qui aujourd'hui, eh bien, est presque à la retraite, mais pas tout à fait. Il est toujours aussi doué et il nous a régalé. Au début des années 90, il quitte Marvel Comics pour créer Cyberforce. Plus de 700 000 exemplaires pour le tome 1. Et il lance une première mini-série éditée dans le tome 1, puis il lance la série régulière. Et ce sont les épisodes de la série régulière que vous allez retrouver là-dedans. Mais vous le savez peut-être, si vous connaissez cette époque bénie, c'est-à-dire les années 90, eh bien, dès le numéro 2 de Cyberforce, il y a un crossover avec des personnages que vous connaissez qui vont également être réédités chez Urban, les Wildcats de Jim Lee. Et donc, la question c'est, est-ce que ce crossover est réédité dans les pages de Cyberforce tome 2? Eh bien oui, et non seulement il est réédité, mais en plus, vous avez l'épisode 5 de Wildcats, qui est une sorte de prologue à ce crossover, avec les pages qui se déplient. Les pages qui se déplient comme dans la version originale, comme dans l'absolute que j'ai la chance de posséder, et comme certainement dans le futur album en intégrale de chez Urban, qui arrive également au mois de novembre. Donc vous avez ces pages qui se déplient pour vous montrer l'étendue du talent, et vous avez ce crossover incroyable dessiné à quatre mains par Jim Lee et Mark Silvestri. Donc oui, le crossover Cyberforce Wildcats est bien disponible. Vous allez découvrir l'affrontement entre ces deux équipes absolument folles, le combat entre Warblade et Ripclaw, ces personnages que vous avez peut-être oubliés mais que moi je n'ai jamais oublié. Je me réjouis de cette sortie, vous n'imaginez pas. Je suis excité comme une puce au salon de la moquette. C'est tout simplement quelque chose de béni et c'est une époque que j'adore. À l'occasion des 30 ans de Cyberforce, nous avons la chance de découvrir cette série pour le plus grand plaisir de tous. Je vous invite à découvrir le tome 1, le tome 2 et bien entendu à vous régaler de ce crossover. À la fin sont annoncés, ou au début d'ailleurs, sont annoncés les futurs tomes à venir, puisque 5 tomes sont prévus, les couvertures sont déjà prêtes. Vous allez pouvoir vous régaler et redécouvrir avec plaisir et délectation le retour de Cyberforce en version française. Je vous invite à découvrir cet album sans plus tarder, disponible en lien en descriptif de la vidéo et disponible bien entendu dans notre boutique à Paris au 49 rue Lacépède. On vous attend. Salut.